Salut à tous. En complément de la vidéo sur la Viper, pour voir si c'était un bug de VirtualBox ou un bug de la Viper en elle-même, j'ai fait cette petite clé, voilà, que vous voyez, qui contient la Viper 7 sur clé USB. Donc je vais la brancher sur mon portable. Voilà. Et on va démarrer le portable sur la Viper. Donc je m'excuse si ça tremble ou compagnie. Voilà. Donc on démarre sur clé USB. Voilà. Comme ça, vous aurez la Viper qui démarrera sur un vrai écran et un vrai ordinateur. Désolé pour la qualité de la vidéo, c'est mon téléphone portable. Oups là. Donc là, voilà. Donc il y a systemd qui démarre. Blablabla. Ce que je vais faire, c'est je vais récupérer un fichier audio sur Alter Music et essayer de lancer dans VLC. Donc je verrai si c'est un bug soit durant du HTML5 audio de Firefox dans la Viper, soit un bug de l'audio dans la Viper sur VirtualBox, soit c'est un bug tout court dans la Viper. On va voir ça tout de suite assez rapidement. Donc là, comme vous pouvez le constater, on a la gestion de la batterie. Voilà, donc ça on s'est connecté ta bouche. Donc là, je vous montre un peu l'ensemble. Cette machine a 4 Go de mémoire vive, donc vous voyez, hop ça mince. Donc là, je vais éteindre le, hop ça. Je ne veux pas l'installateur parce que je veux garder mon Arch Linux installé. Voilà. Donc vous voyez, il y a en gros, on va dire 6% de mémoire vive. Donc là, je lance Internet, Explorer, Firefox, je veux dire. Donc là, j'essaie de garder le truc droit et taper sans faire trop de frappe. Faute de frappe, pardon. Alors, voilà. Alter. Donc on va télécharger un album en format OGG, comme ça moi je suis sûr et certain qu'il sera lu. Donc on va prendre n'importe lequel. On suit là. Ce qui compte, c'est que je puisse vérifier que ça passe. Là, je vais monter le son au maximum en bas. Là. Donc là, je vais mettre le volume plus de 90%. Voilà, donc là je sauvegarde le fichier. Désolé pour la qualité de la vidéo qui est un brin mauvaise, mais c'est comme ça. Donc là, on apprécie d'avoir une bonne grosse connexion, n'est-ce pas? Donc là, j'ouvre un répertoire. Voilà, j'extrais ici. Et on va voir si le son passe. Je pense que la réponse est toute obtenue. Soit être un bug, soit du rendu HTML5 audio de Firefox dans la Viper. Soit un bug de la Viper dans un bug de soit lié à la Viper, soit lié à VirtualBox. Ça me rassure un peu et ça me permet de compléter la vidéo. Ciao!